Donc ce soir, je vais vous parler de la boucle d'événements. Je ne savais pas trop si j'allais pouvoir tenir en 20 minutes sur la boucle d'événements. Finalement, il s'avérait que c'était un peu plus fourni que ce que je pensais. Et j'étais assez pris de court, donc j'aurais bien aimé pouvoir développer un peu plus la fin, mais je pense que ça va être un petit peu décevant. La boucle d'événements. Alors avant de parler de la boucle d'événements, on va juste faire un petit rappel sur le JavaScript, sur des mécanismes qui vont être utiles pour comprendre un peu ce qui est fait. Déjà, JavaScript, c'est un langage qui est assez tordu, un peu sur les bords quand même quand on le connaît, multiparadigme. Et ça fait un peu un mélange de fonctionnel, d'impératif, d'asynchrone. Enfin, asynchrone, c'est pas complètement. Bref. L'idée, c'est qu'il y a les fonctions en JavaScript sont des first class citizens. Alors, bon, c'est un vocabulaire qui est beaucoup utilisé, qui est assez élaboré, mais pour dire des choses assez simples. En gros, ça veut juste dire qu'on considère les fonctions comme des types standards, enfin comme des types qu'on va pouvoir passer à des fonctions et qu'on va pouvoir retourner dans les fonctions. Et donc les fonctions peuvent être passées en paramètres à des fonctions et les fonctions peuvent retourner des fonctions en paramètres. C'est tout ce que ça veut dire et c'est très important pour la suite. Il faut savoir aussi que ces fonctions peuvent garder un contexte. On appelle ça des closures. Alors comment ça marche ? On va faire un petit exemple bête et méchant. On a un compteur qu'on instancie à 0. On a une fonction qu'on va appeler iOrderFunction. C'est le nom qu'on donne aux fonctions qui prennent des fonctions en paramètres et qui retournent des fonctions. Parce qu'en gros, c'est des fonctions qu'on va configurer avec la fonction qu'on passe. Enfin, qui va avoir une... Pardon ? C'est ma petite sœur en plus. C'est le karma, ça. En gros, on a une iOrderFunction qui va juste retourner une fonction qu'on va appeler closure, hein, parce que c'est une closure. Et elle a aussi ton numéro. Ouais, c'est, Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste retourner la fameuse variable count qu'on a passée en paramètre après l'avoir incrémentée. Donc, on va appeler la order function en lui filant notre paramètre count. On va stocker la fonction retournée dans ce qu'on appelle la closure. Et ensuite, on va faire un console log de closure. Donc là, tout va bien. Elle nous affiche un 1. On va mettre count à 10. Ensuite, on va rappeler la closure. Et on va se retrouver à 2. Bon, alors, voilà, c'est le principe des closures. C'est-à-dire qu'en gros, on a encapsulé toutes les variables qui étaient à l'intérieur de la fonction appelante. Elle est insistante. Toutes les variables de la fonction appelante, dont les paramètres, dans le contexte de cette fonction-ci. Et donc cette fonction-ci va avoir accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur de iOrderFunction. Elle va en avoir rien à cirer dessus. Elle va même pas savoir qu'il existe, qu'il a été incrémenté ou quoi que ce soit. Et elle va continuer de faire son boulot tranquillement. Et ça aussi, c'est pratique. Ça aurait pas marché si j'avais filé un truc qui est passé par référence, comme les objets qui sont passés par référence. Si j'avais passé un objet par référence, tiens, on va le faire. Si j'avais fait qu'un, on va pas le faire parce que ça prend du temps. Et les objets sont passés par référence, donc ça marche pas. Next. Et historiquement aussi, JavaScript c'est vieux, c'était dans les navigateurs. Navigateur était pas multithread, donc c'est monothreadé. Historiquement. Donc, j'ai fait une boulette, c'est-à-dire que j'ai fait une bêtise, j'ai dit une connerie, hein, avant même de parler, en fait, à l'écrit, durant la présentation du talk, j'ai dit que l'event loop était intrinsèque à JavaScript. C'est faux. L'event loop, elle n'est pas du tout intrinsèque à JavaScript. Elle est fournie par l'environnement qui va utiliser JavaScript. En l'occurrence, l'environnement, ça a été pendant très longtemps le navigateur. Et le navigateur fournissait les API DOM et notamment le mécanisme de l'event loop. Pour gérer l'asynchronisme, qui est ce qui va permettre à JavaScript de continuer de s'exécuter alors qu'on a un event à traiter avec un callback et tout ça, et qu'on est en train de faire du code, qu'on est en train d'exécuter le code. Donc Node.js fait la même chose qu'un navigateur. Il va implémenter une API, il va mettre en place une event loop et un petit peu plus, sauf que lui, il va pas s'exécuter côté client, il va s'exécuter côté serveur pour faire ce qu'il va faire. Donc ça c'est la citation. J'ai regardé du coup Event Loop dans les specs de l'ECMAScript, qui est le standard qui découle de
qui est le standard qui découle de JavaScript, parce qu'à la base, c'est Netscape qui a proposé de standardiser JavaScript et qui l'a fait. Et donc, de là, on a découlé ECMAScript, nom de code 262, ECMA262. Et il n'y a strictement rien sur l'event loop dans cette spécification, cette standardisation-là, à part le fait que, voilà, c'est à l'host environment de faire ce qu'il a à faire pour implémenter l'event loop et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'event loop, c'est un paradigme de programmation qui est très répandu dans tout ce qui est interface graphique ou système de fichiers sous Unix, ce genre de choses. Et on a un lien de parenté avec Visual Basic. Ça m'a fait mal aussi. On ne choisit pas sa famille. Ah oui, c'est une forme de programmeur. Et ce qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est qu'il spécifie bien dans la doc que c'est caché au programmeur. C'est-à-dire qu'il part du principe que le gars qui fait du Visual Basic, il ne va pas vouloir creuser la chose. On va maintenant aborder la boucle d'événements dans Node.js. Ouais, c'est ça. Alors. C'est ça. Donc généralement, avant Node.js, pardon pour la petite absence, on avait tendance à multithreader la gestion des entrées pour pouvoir justement faire servir des threads pour parce que les serveurs étaient un peu bloquants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on faisait une requête SQL ou un truc qui prenait un certain temps, on attendait comme des glands. Et après, on croisait les doigts pour qu'il n'y ait pas de trop de requêtes en même temps, quoi. Sinon, il fallait être patient ou faire justement plein de multithreads. Le problème, c'est que des threads comme ça, ils font beaucoup de choses. Ils gèrent la requête, il y a un gros contexte autour, et donc ils sont assez monolithiques, en plus d'être bloquants. Donc au bout d'un certain nombre de requêtes, si on fait des threads à chaque fois, ça finit par poser problème. C'est surtout assez lourd. Donc la différence de Node.js, c'est qu'elle n'utilise qu'un seul thread pour traiter les entrées-sorties, qu'elle va combiner à la fameuse event loop pour ne pas être bloquante. Et c'est super, super, super pratique. Parce que du coup... Bon, je vais venir après. Donc Node.js, c'est basé, donc encore une fois, comme je l'avais dit, elle va utiliser V8 pour faire tourner JavaScript, mais dans le JavaScript, il n'y a pas d'event loop, il n'y a pas d'asynchronisme, il n'y a pas de manipulation de fichiers ou de trucs dans le genre pour l'instant. Donc du coup, elle va se baser sur libuv, qui est une petite librairie, écrite en C++, je ne saurais pas dire exactement, qui va s'occuper de faire beaucoup de choses. Elle va notamment trader. Mais bien plus intelligemment que sur les serveurs ancienne génération, on va dire. En gros, au lieu de trader l'ensemble du cheminement de la requête, elle va juste trader la partie nécessaire, la partie bloquante, celle où on va accéder à la base de données, où on va lire un fichier, et elle va renvoyer ça à l'API Node.js pour qu'on puisse l'utiliser efficacement. Et on n'aura pas à gérer tout ce qui est threading, ce genre de choses. Et bien sûr, elle va faire centraliser... la gestion des entrées grâce à la boucle d'événements dans un seul thread qui sera dépendant du process de Node.js. Alors, donc là un petit schéma récapitulatif, en gros ça c'est Node dans son ensemble. Libuv, on va dire que c'est la partie rouge et bleue, donc le thread pool, qui sont l'ensemble des threads qui ont été lancés, et l'event loop, Node va rajouter ses bindings en C, va utiliser V8 pour interpréter le JavaScript. Et au-dessus, on a la librairie standard qui nous est mise à disposition par Node.js. Donc maintenant, on va rentrer dans le fonctionnement de l'event loop. Alors, personnellement, je me suis pris la tête là-dessus. C'était plus compliqué que ce que je pensais, et surtout, il n'y avait absolument pas de doc sur ça. Enfin, pas beaucoup. Donc on a un peu tâtonné avec d'autres personnes, Quentin en l'occurrence. Et on a un peu paniqué parce qu'on a fait ça aujourd'hui. Oui, donc c'était pas très sérieux, et surtout on pensait pas que ça serait aussi compliqué. Donc, un petit bout de code, un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Qu'est-ce qu'on fait dans cet exemple? Donc on a une variable output, dans laquelle on va mettre des outputs, et on va déclarer un setImmediate. Alors, setImmediate, vous allez vite comprendre ce que ça fait. Pour l'instant, on va dire juste on fait un setImmediate, auquel on file un callback. Callback, c'est une fonction qu'on passe en paramètre et qui va être appelée par la fonction parente. On en place un deuxième. Ensuite, on place un set timeout. On en place un deuxième. Ensuite, on fait un process nextick. Et encore un process nextick. Donc, on a deux set immediate, deux set timeout et deux process nextick. Ensuite,
On va faire, bon, il y a tout un ensemble de trucs qui vont se passer. On fait des appels à l'intérieur de bidule, machin et tout ça. C'est intéressant, on verra ça en détail plus tard. Et ensuite, une fois que toutes ces fonctions auront fini de faire ce qu'elles ont à faire, on utilise cette timeout pour exécuter, pour faire un console log de l'output, une fois qu'il aura été bien, bien incrémenté par tous les callbacks. Voilà, on a plusieurs exemples. Hein. Et donc l'output, je vais pas vous le cacher plus longtemps. Comment ça va se passer? On va avoir un premier tick qui correspond à l'appel du callback d'un next tick. Un deuxième tick, un troisième tick. Ensuite, on va retrouver les timeouts qu'on a déclarés, les deux. On va avoir un quatrième tick. Ensuite, on va retrouver nos deux set immediate. On va avoir un cinquième tick. Et ensuite, on va avoir un set timeout. Bon, alors comment est-ce qu'on en arrive là? On va maintenant essayer de comprendre ce qui se passe un peu quand on fait un process next tick. Vu que c'est le premier qui arrive, on va se concentrer sur lui. Process next tick, ça va être lorsque la boucle d'événements boucle. Process next tick, ça va être dans la phase d'exécution, parce qu'il y a deux phases dans l'event loop. Mais dans la phase d'exécution, ça va être la première stack de callback qui va être checkée et qui va être dépilée. Bon, si c'est pas clair, ça va l'être un tout petit peu plus tard. Donc l'idée, c'est que là, on déclare une fonction qui va être un callback qui va être appelé en premier. Encore une fois, c'est pas clair, mais faites-moi confiance, ça va l'être à la fin. Dans lequel on va refaire un next tick. Et ensuite, alors après avoir déclaré ce process next tick auquel on file un callback, qui va juste nous expliciter qu'on a bien fait le troisième tick, on va ajouter voilà, le premier tick dans l'output, celui qu'on retrouve en premier. Donc celle-ci, c'est la première que va c'est le premier callback qui va exécuter l'event loop. Le deuxième callback qui va exécuter l'event loop, c'est celui-ci, next tick, deuxième callback, j'ai bien nommé. Et donc on a déclaré deux next tick et c'est les deux qui s'exécutent les uns à la suite des autres. Bon, jusque-là, ça semble plutôt logique. Et ce qui se passe aussi, c'est que le next tick qu'on a déclaré ici va être appelé. Alors a priori, il devrait être dans la deuxième boucle. Si, non. Et il va être appelé avant tout ce qui est set timeout et set immediate qui pourtant été mis à zéro. Donc déjà, il y a un truc. C'est que tu vois, il a vraiment une bonne grosse priorité. Ensuite, une fois qu'on a exécuté, donc une fois qu'on a fait ce process next tick, il va être exécuté. On voit par la suite que c'est le set timeout qui va être appelé, le premier, et le deuxième. Le set timeout qui est défini juste ici. Et dans le set timeout, qu'est-ce qu'on fait? On va donc bien sûr préciser que le set timeout, le callback du premier timeout a été appelé. On va refaire un process next tick. Celui-ci sera le quatrième. Et ensuite, on va refaire un set timeout qui celui-là sera appelé en troisième. Donc, le set timeout qu'on fait cette fois-ci ici, dans un set timeout, va être appelé après les deux set timeout qu'on a déclarés. Donc là, c'est. Là, j'ai oublié le virgule 0. C'est pas bien. Mais ça revient plus ou moins au même. Donc, on déclare deux set timeout et cette fois-ci, c'est logique, les deux vont être appelés à la suite et le troisième va être appelé en troisième. Donc là aussi, ça a l'air d'aller. Enfin, ça me choque pas plus que ça. Donc, il faudra revenir sur cette histoire de process next tick qui arrive avant les autres. C'est bizarre. Les timeouts, tout va bien. Bon, le quatrième tick, toum toum toum, le quatrième tick, on l'a programmé pour qu'il se fasse tout de suite à la fin des set timeouts. Il arrive juste à la fin des set timeouts. Bon, c'est un next tick, quoi, donc ça va s'exécuter en premier sur les cycles de la boucle. Donc ça choque pas plus que ça. Et les set immediate, qui a un nom plutôt explicite, hein, set immediate, sont exécutés quand même un peu vachement tard, je trouve. Presque en dernière, avant le cinquième tick, qui est déclaré dans le set immediate, donc là, bon, bah, c'est normal. Et avant le set timeout 3. Alors. Là, normalement, j'ai perdu tout le monde. Ouais, c'est ça, à peu près. Ça se tient. Donc, planification et exécution. La phase de planification, je vais maintenant essayer d'expliquer tout ça. C'est un peu sadique, hein, après vous avoir retourné le cerveau. La phase de planification, c'est la phase en fait, où on va analyser tous les events qui ont été triggers et les callbacks qu'on a à disposition pour savoir ce qu'on va en faire, grosso modo. Si c'est un timer, on va vérifier si on a atteint le bon temps vis-à-vis du timer. On se dit, ok, bon, on a un callback à traiter. Si c'est un set immediate,
on a un callback, on fait bon bah c'est immédiat, on a un callback à traiter. Et en fonction du type de callback, on va le mettre dans une, on sépare le stack en trois piles. Après il y a une autre manière de voir ça, mais on a décidé de visualiser comme ça, en trois piles. La première pile, ça va être la pile des 7 process next tick. C'est la pile prioritaire. Encore une fois, celle sur laquelle on va revenir très souvent pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Ensuite, il y a la pile des input-outputs, des callback input-outputs, qui vont être prioritaires après les next tick. Et ensuite, on a la pile des callbacks de set immediate, qui en fait vont être traités plus ou moins en dernier dans l'event loop. Donc ça nous fait 3 piles de callback, avec une phase de planification et une phase d'exécution. Bon, c'est peut-être un micro-chouïa plus clair, mais pas forcément énormément. Et en fait, ce truc-là, on ne va pas revenir dessus, mais je vous invite éventuellement, je lâcherai les slides, à refaire le schéma une fois que je vous aurai expliqué l'algo un peu de l'Event Loop pour essayer de voir, et vous verrez, ça colle plutôt vachement bien. Enfin, ça colle en fait, parce que c'est exécuté par node et c'est ce que ça sort. Mais voici le schéma. Alors, le schéma, je l'ai fait à l'arrache, hein, il y a une heure ou deux. Minimaliste. J'avais pas le choix. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par une phase de planification. On va récolter tous les callbacks qu'on a à disposition. Donc là, en l'occurrence, sur la première slide, on va récupérer les 7 process next tick, on va récupérer les 7 intervalles, on va récupérer les 7 immédiates, on va tout récupérer. Et on va distribuer ça aux piles de callbacks. Donc le truc ici, là, il va d'abord vérifier que les timers sont bons à attribuer. Donc les 7-0, il va les attribuer tout de suite. Il va les mettre dans la pile de input-output. Il va considérer les 7 timeouts comme un événement, input-output, à juste titre hein, d'ailleurs. Et il va donc les stacker là-dedans. Tout ce qui est 7 process next tick, il ne se prend pas la tête. Dès qu'il les voit, il les met là-dedans. Et dès qu'ils vont en set immediate, il va aller le caler là-dedans. Donc nous, on va parcourir ça, on va faire la phase de planification. On va arriver dans la pile de next tick, on va la dépiler. Et ça, c'est inéductable. On va vider tout ce qu'il y a dans la pile de callback de next tick. Et vider tout ce qu'il y a, ça veut dire qu'on va vraiment pas s'arrêter. Il n'y a pas de limite. Il y en avait une avant, il me semble. Apparemment, elle a été enlevée. Il n'y en a plus maintenant. On peut le faire, si jamais on fait une récursivité là-dedans, dans le next tick, on fait un next tick qui appelle un next tick, ça ne s'arrêtera jamais. C'est sûr et certain. Une fois qu'on a dépilé tous les next ticks, qu'on a fait ce qu'il y avait à faire, qu'on a éventuellement déclaré d'autres callbacks, qu'on a déclaré d'autres events, on va passer dans la pile de callbacks d'input-output, et pareil, on va la dépiler. On dépile. Une fois qu'on a dépilé ça, on va vérifier que dans cette pile-là, on n'a pas attribué à un moment, on n'a pas généré un callback de next tick qui aurait été mis de facto directement là-dedans. Donc on va refaire un tour là-dessus. Si on voit qu'il n'y en a pas, on se dit bon, ok, il n'y a pas de next tick, on peut passer à l'étape suivante. Et là, on ne va plus repasser par l'input-output. C'est-à-dire que si dans ce next tick-là, dans cette étape-là, donc on a fait une première boucle, on fait input-output callback, on dépile tout ça, et là, on déclare un next tick là-dedans, on retourne ici, on exécute le next tick, et si dans ce next tick, on redéclare un input-output, une lecture de base de données ou ce genre de choses, on va la zapper, et on va passer directement au callback de set immediate. Une fois qu'on arrive ici, pareil, on dépile l'ensemble de la pile, et on recommence à dispatcher tout ce qui est timer. On incrémente la valeur du timer et on vérifie qu'il n'y a pas de set timeout qui sera arrivé à maturité ou de set immediate ou bien de... Alors, par contre, il y a un truc que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Ça serait, est-ce que dès qu'on voit un next tick, oui, ça c'est sûr, on le met directement dans cette pile-là. Donc en fait, c'est plutôt un truc qui va être appelé ici, Est-ce que c'était un peu plus clair ou pas? Pas trop? Du tout? Un petit peu quand même? Bon, je vais essayer de réexpliquer ça un peu plus clairement. Un tout petit peu plus clairement. Donc en fait, on a trois types d'events qui vont être dispatchés, dont un qui va être exécuté tout le temps, avant de rentrer dans chacun des autres, qui correspond à next tick. Si next tick réappelle next tick,
Eh bien, on va continuer de dépiler la pile jusqu'à ce qu'elle soit vide. Tous les events à callback qui sont liés à des entrées-sorties, ils vont être mis là-dedans et ils vont être dépilés et exécutés juste après le... juste après avoir vidé cette pile-là, Nextick. Et une fois qu'on a fait ça, on va revenir sur Nextick histoire de s'assurer que dans ces callbacks-là, on n'a pas défini encore des Nextick. Et si jamais ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas, hop, on va ensuite, une fois qu'on a dépilé cette pile-là, donc on, à ce niveau-là, on a cette pile-là, elle est sûre, à coup sûr, vide. Celle-là, peut-être qu'elle a été remplie, mais on s'en fout. Et celle-ci bah, peut-être qu'elle a des choses, mais on va la vider, ça c'est sûr. Ensuite, on revient là-dessus, on vérifie que les machins sont chouettes, etc. Et c'est comme ça que ça marche l'event loop. C'est un peu plus clair ? Ok, d'accord. Et donc si on s'amuse à revenir sur le cas d'avant, vous voulez qu'on revienne sur le cas d'avant ? Bon, de toute façon, on n'a plus trop le temps, donc je vais vous laisser le faire, mais vous exécuterez l'algorithme et vous verrez que ça colle. Et c'est comme ça que fonctionne l'event loop de Node.js. Tout simplement, j'ai envie de dire, même si je ne trouve pas ça super simple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que event emitter est synchrone. Donc même si l'ibuf s'occupe de faire des threads et de gérer l'event loop, tout ça, event emitter est synchrone. Un petit exemple, donc on va créer notre propre émetteur, on va lui donner une méthode tirée, dans laquelle on va faire un console log, on va faire un emit, et on va refaire un console log, on va faire un emit de feu. Ensuite, on va créer notre émetteur, notre émetteur, on va appeler barbe bleue parce qu'il tire. Et ensuite, on feu, donc qui est l'event qu'on a trigger dans la méthode, qu'on va trigger dans la méthode tirée. On va faire un console log. Donc là, il est content parce qu'il tire. Donc quand on tire, on va faire ça. Ensuite, on va émettre l'event feu. Et ensuite, on va faire le console log avant ou après avoir tiré. Et ce qui va se passer, eh ben, c'est que ça va s'exécuter de manière synchrone. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le vis-emit, il va tout de suite récupérer le callback ici et va l'exécuter. Il passe pas par l'event loop. Pom pom pom. Sinon, on l'aurait eu après. Ou sinon. À vérifier. À vérifier parce que le console log prend un certain temps, mais normalement c'est safe. C'est sûr, ok, d'accord. Okay. Il y a quelques petits trucs qu'il faut savoir, enfin des trucs bêtes et méchants, mais là je ne vais pas creuser, donc je suis en train de dépasser mon temps. Si jamais le seul thread qui gère les input-output, en gros les entrées-sorties, est débordé, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on peut lancer plusieurs threads, plusieurs process de Node.js, absolument pas un problème. Il y a même une API pour ça, qui s'appelle Cluster, il y a des frameworks chez Strongloop qui font ça aussi, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait un talk à Node.js qui avait été fait il n'y a pas longtemps, où le gars disait on tient bien la charge, Node.js, il n'est jamais monté à plus de 25% du proc. Et en fait, le gars, il avait 4 processeurs, il avait lancé un process de Node.js et forcément, il n'était jamais monté au-dessus de 25%. Si un callback met trop longtemps à s'exécuter, alors ça, c'est le truc à ne pas faire. Si vous pouvez, enfin, ne jamais faire. En gros, avec ce qu'on a vu, vous pouvez facilement comprendre, enfin, j'espère, que si jamais on fait des callbacks qui mettent du temps à s'exécuter, on frise tout en fait, et c'est une catastrophe. Alors faut n'importe quoi hein, qui met trop de temps. Si jamais on fait je sais pas une récursivité de malade ou des traitements synchrones assez lourds, on va empêcher Node.js d'exécuter l'event loop parce que lui il est bête et méchant, hein, il dépile, il est synchrone et il saura pas quoi faire. Enfin il pourra strictement rien faire d'autre en attendant. Il y aura peut-être des threads lancés par l'ibuf qui tourneront en arrière-plan, mais l'event loop elle sera bloquée. Donc il faut absolument pas faire des callbacks lourds et imposants, il faut laisser la possibilité à Node.js d'itérer souvent sur l'event loop. Et si on veut créer nous-mêmes des threads ou des process, il y a pour ça. Alors pour créer des threads, maintenant il y a les web workers. Alors bon, ça marche pas en Node.js encore. Il y a des librairies qui implémentent ça. Elles copient l'interface des web workers et font ça avec les add-ons en C. C'est assez violent. Et les web workers, ce qu'ils font, ils vont partir dans un thread à part avec leur propre contexte et ils vont faire de l'asynchrone. Et ils vont communiquer par des messages, bêtes et méchants. Donc c'est possible aussi. Et c'est aussi possible de créer des child process avec notre child process. Mais là, encore une fois, j'y ai pas touché, donc je vais pas trop en parler. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est clair ? Alors, qui pense avoir un peu mieux compris l'event loop après avoir... Bon, ça fait une bonne moitié. Ok, on va dire que c'est bien pour un premier tour.
Ok. Bon, n'hésitez pas à revenir dessus. Et sinon, bah, venez me parler à la fin, j'essaierai de vous expliquer ça un peu plus en détail, si je peux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Ah oui. J'en doutais là. Salut. Salut. Est-ce que tu as une idée du coup de les promesses natives, est-ce qu'elles répondent aux mêmes règles que le set timeout, que le set immédiat, que le process nextick, surtout quand elles sont immédiatement résolues? Les promesses natives. Oui, tout à fait. T'as, dans ton exemple, tu montres que pour dépiler, tu utilises des set timeout. Ouais. Tu montres que... Alors, j'utilise des set timeout, mais j'aurais pu mettre n'importe quel callback asynchrone. Enfin, en gros, l'API de Node.js met en place des callbacks qui sont asynchrones parce qu'ils vont utiliser des threads en background derrière. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste emit l'event, c'est bon, j'ai terminé, et mettre le callback dans la pile de l'event loop, au bon endroit, dans la bonne pile. Mais grosso modo, des promesses, c'est juste une implémentation différente des callbacks. Et à partir du moment où la promesse est asynchrone, Ok, mais bon. Justement, si la promesse est immédiatement résolue, est-ce qu'il y a une portion différente? J'imagine que non, mais c'est des fois que... À partir du moment où tu passes pas par la librairie libuv et que tu vas pas trigger un event après avoir fait quelque chose d'asynchrone, non, ça va pas aller dans l'event loop. Alors après, peut-être à vérifier, mais normalement, non, ça devrait pas. Si tu fais pas d'asynchrone, tu vas pas... Tu vois ce que je veux dire? Ok, merci. Okay. Voilà. Juste pour rebondir, une promesse résolue est toujours asynchrone, hein. Enfin, elle est garantie d'être asynchrone. C'est... Alors peut-être que je m'y connais pas assez, encore une fois. C'est possible. Si quelqu'un a une réponse. Non, moi c'est pas pour une réponse, c'est pour une autre question, juste pour être sûr d'avoir compris. Les set timeout, tu les rangeais dans la catégorie IO, dans les... Ouais, c'est ça. Les set timeout, des trois types de... Ouais, okay. On n'était pas sûr au début, et en fait on a vérifié, et ouais, c'est considéré comme... En fait, parce qu'un set timeout, c'est pas comme un set immediate où il va directement se placer dans la boucle. Ça peut zapper des boucles, en fait. Parce que si jamais il n'a pas terminé son timeout, il va juste zapper des boucles. Et du coup, c'est considéré comme un nouvel événement qui arrive après un certain temps. Donc, c'est un event IO standard. Et une question quand même associée, les set timeouts. Moi, je pensais que c'était géré pas par Node. Justement, le déclenchement du timer est fini. Toi, tu disais que... Mais c'est vraiment, tu penses que c'est intrinsèque à JavaScript, set timeout? C'est basé sur pas grand-chose, en fait. Donc non, pas trop normalement, répéter, mais... normalement, si je me suis battu... C'est vraiment Node qui va comparer, il va faire un new date. C'est Node qui fait absolument tout. Et il JavaScript... va comparer, est-ce que la date à laquelle on me l'avait demandé est dépassée? Pardon? Il va comparer la date actuelle à la date... En fait, il a un mécanisme qui va compter le temps en interne, je sais pas exactement comment ça marche, et il va s'assurer que la durée spécifiée par set timeout dépasse pas la durée que lui il a compté, et puis voilà. Après, s'il voit que ça dépasse pas, hop, il va prendre le callback, il va le mettre dans la pile, il va dire c'est bon. Donc à chaque fois qu'il y a un tour dans la boucle des événements, il va comparer les dates pour tous les set timeout en cours? A priori, oui. C'est ça? A priori. Après, il y a peut-être des mécanismes d'optimisation, mais là, il va falloir creuser dans l'IBUV et... D'accord. En fait, ça me paraît pas super optimisé. J'aurais pensé que c'était plus optimisé que ça, mais ça doit être. À mon avis, c'est plus optimisé. À mon avis, c'est plus optimisé que ça, mais bon, si tu connais ça déjà, okay. Ça devrait être suffisant pour. Merci. Mais j'en sais rien. Bonne question. Plus de questions? Non, merci Manuel alors. Merci à vous.